Bienvenue dans La Truffe dans la Gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Notre invitée du jour est Julie Joseph, juriste responsable de l'actualisation des règles d'éthique à l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce podcast. Bonjour. La première question, ça va être, qu'est-ce que c'est l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et quel est son rôle ? Alors, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, que l'on appelle souvent l'ARP tout simplement, c'est l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité en France. Elle était anciennement connue sous le nom de BVP, Bureau de vérification de la publicité. C'est vraiment l'organe, le seul et l'unique organe de régulation de la publicité en France. C'est une association loi 1901 qui ne bénéficie d'aucune subvention de l'État et qui est donc totalement indépendante. Elle fonctionne grâce aux cotisations de ses adhérents qui sont des annonceurs, des agences de communication et des médias. Il y a environ 800 adhérents à l'ARP. C'est une vieille institution puisqu'elle existe depuis 1935. Et elle a été créée à l'origine pour lutter contre les publicités trompeuses, et notamment à l'époque des publicités financières et des publicités présentant des fausses promesses de santé, et ce, dans la presse. Donc en fait, c'est les professionnels du secteur qui cotisent eux-mêmes pour se réguler entre eux et éviter les publicités trompeuses. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en fait l'interprofession. Ça regroupe en fait les annonceurs, les agences et les supports de communication. La mission de l'ARP, c'est finalement d'œuvrer au quotidien en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine, dans l'intérêt de tous, donc consommateurs, concurrents, mais vraiment dans l'intérêt de la société dans son ensemble. Alors, plus particulièrement, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pet food. Donc, quelles sont les règles de communication dans le domaine du pet food ? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un socle commun en fait qui est applicable à toute publicité, des règles communes à tous. Elles sont issues d'un code international, du code ICC en matière de publicité. Les grands principes, hein, c'est la publicité loyale, véridique et conforme à la loi. Donc il y a vraiment ces grands principes qui sont avant tout applicables à la publicité en faveur de la pet food. Mais également, il va y avoir une règle d'éthique. Alors chez nous à l'ARP, on les appelle les recommandations. En fait, ce sont donc des règles professionnelles qui, comme on l'a vu, ont été créées avec l'ensemble de l'interprofession. Et justement, il y en a une qui s'intéresse à l'alimentation des animaux familiers. Elle a été créée, alors la première version de cette recommandation a été créée en 1977, mais elle a été revue récemment, elle a été revue en 2007. Alors, pourquoi elle a-t-elle été revue ? En fait, l'ARP a été contactée par la FACO, organisation que vous devez connaître, qui est la Fédération des producteurs d'aliments pour chiens, chats, oiseaux, poissons et petits mammifères. La FACO étant adhérente à l'ARP, elle nous a recontactés en fait pour un besoin d'actualisation de la règle. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, elle avait senti une certaine dérive dans les revendications bénéfiques pour la santé des animaux, dans les publicités pour les aliments qui leur sont destinés. Alors, il y a plusieurs points dans cette recommandation. Si vous voulez, on peut les parcourir. Avant tout, la publicité doit proscrire toute tromperie. Alors, notamment dans la représentation graphique, photographique, des matières d'origine animale entrant dans la composition des produits, en particulier par l'insertion dans la communication commerciale d'images qui seraient beaucoup trop suggestives ou valorisantes par rapport aux matières premières réellement utilisées dans la composition des produits. Par exemple,
il serait trompeur de représenter une darne de saumon dans une publicité, alors que l'ingrédient qui entre dans la composition du produit, c'est un sous-produit du poisson, mais qui est bien spécifiquement destiné à l'alimentation animale. D'accord, mais ça c'est quand même, on le voit quand même très souvent, qu'ils mettent des produits, des cuisses de poulet, des darnes de saumon ou des choses comme ça pour illustrer. Alors ça, c'est fort fâcheux parce que c'est prohibé, parce qu'effectivement, ce ne sont pas ces morceaux nobles qui sont directement utilisés dans la composition des aliments. Donc c'est un point sur lequel nous, à l'ARP, on est particulièrement vigilants, en tout cas dans les publicités qui nous sont soumises. Donc nous, on peut, si on voit une publicité qui met par exemple en avant un filet de saumon ou une cuisse de poulet, vous la soumettre. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur quand on remarque une dérive ? Oui, tout à fait. Alors en fait, vous pouvez réagir, formuler une réaction que l'on appelle une plainte. Et c'est une plainte que vous pouvez formuler auprès d'une instance associée à l'ARP, qui est vraiment distincte de l'instance de l'ARP, qui est un jury, qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire. Vous pouvez donc formuler une plainte qui doit être portée sur une publicité que vous pouvez identifier, qui a été diffusée. Et vous pouvez formuler votre plainte en expliquant le pourquoi et en se fondant sur une règle de déontologie. Et en l'occurrence, on peut se fonder sur la recommandation alimentation des animaux familiers. Donc cette instance qui est indépendante, qui est constituée de professionnels de divers horizons, mais qui sont totalement indépendants du monde publicitaire, analysera alors votre publicité au regard de la règle de déontologie et ensuite émettra un avis qui sera un avis publié sur le site du JDP avec l'intégralité de la motivation et la publicité qui est en cause. Et après, ce n'est pas obligatoire pour l'industriel de changer. Alors, vous avez raison. Dans les faits, il n'y a pas de mesure coercitive derrière, ni d'amende à la clé. Mais le simple fait pour un industriel de retrouver sa publicité mise en avant sur un site internet et d'avoir une décision peut être préjudiciable pour lui. Et c'est en tout cas ce que les annonceurs peuvent ressentir. Et ils sont donc de ce fait très attentifs à toute plainte et toute issue de plainte portée devant le jury de déontologie publicitaire. C'est ce qu'on appelle, excusez-nous mais, pour l'anglais, mais c'est le name and shame. Et c'est une pratique qui a été fortement utilisée par nos amis britanniques et donc que nous avons mis en place en 2008 avec la création du jury de déontologie publicitaire. D'accord. Alors sur quelles autres règles on doit être vigilant en pet food ? Alors, il y a d'autres règles qui vont concerner la composition des produits et les allégations. Notamment, il y a certains termes en fait, qui sont réglementés. Par exemple, l'utilisation du terme « viande » pour qualifier des morceaux ne peuvent être utilisés que si la matière employée est issue du muscle squelettique. Il y a d'autres termes, comme par exemple l'utilisation du terme « frais » qui qualifie les matières premières utilisées, et ça ne peut être employé que si la matière a été utilisée à l'état frais dans le processus de fabrication du produit. Attention également au terme naturel qui peut être uniquement employé pour une substance à laquelle on n'a rien ajouté en fait. Ça c'est très important. Quand on qualifie, on décrit les produits. Donc le terme viande, ça va être que si on emploie uniquement du filet. En fait, le muscle squelettique, ça va être ça, en gros, c'est si c'est du filet de poulet ou du filet de bœuf. Tout à fait. Mais c'est vraiment à l'industriel, quand on va relever l'emploi du terme, c'est vraiment à l'industriel de pouvoir avoir la confirmation en fait que c'est bien
cet élément-là qui est utilisé. Il me semble qu'il y a un débat, mais peut-être que vous le connaissez pas, parce que c'est très particulier au pet food, mais dans le pet food, il y a de la viande qui est utilisée, qui s'appelle de la viande séparée mécaniquement, ou VSM. Et donc ça, c'est de la carcasse qui est raclée par une machine, donc c'est de la viande, mais il y a aussi des morceaux de cartilage, de tendons et tout ça. Et je sais qu'il y a un débat parmi les industriels sur est-ce que la VSM peut être qualifiée de viande. Alors la plupart des gens disent ben non, parce que c'est pas de la viande, c'est pas du muscle squelettique uniquement, puisqu'il y a des morceaux de cartilage, et plus qu'elle est dénaturée par le broyage. Mais je sais que certains se cachent un peu derrière ça en disant « Mais si, c'est de la viande parce que c'est de la VSM. » Est-ce que l'ARP a un avis dessus ou c'est pas votre domaine de compétence ? Alors, ça va au-delà de notre domaine de compétence, mais en regardant la définition que nous, on a retenue en travaillant notamment avec la FACO, ça ne pourrait pas être qualifié de viande, en fait. Et le terme frais, ça veut dire... Enfin, congelé, ça passe comme frais ou frais, c'est juste vraiment frais à température ambiante ? Frais, c'est vraiment un produit qui a été maintenu à température ambiante, en fait. Alors voilà, il n'est pas admis... Alors je vais vous citer, hein, mais en reprenant le texte, il n'est pas admis en cas de traitement tel que cuisson, déshydratation, congélation, hydrolyse, stérilisation ou similaire, ou d'ajout de sel, d'agent de fumage, de conservation chimique naturelle ou synthétique, ou toute autre aide auxiliaire. Donc c'est vraiment l'introduction du produit, de la matière première à l'état brut, sans qu'il y ait eu un processus de fabrication. Donc c'est très important aussi avoir en tête que derrière un vocabulaire, derrière un terme, il y a vraiment toute une signification. Et ceux qui utilisent, comme l'usine GA Partner en Angleterre, qui utilisent le terme « fraîchement préparé », est-ce que c'est quelque chose qui a un sens ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce type de terme ? Fraîchement préparé, ça sous-entend frais. Donc pour nous, il y aurait un renvoi vers la définition du terme frais. Je pense que c'est une autre manière, effectivement, éventuellement de vouloir détourner l'utilisation. Mais en ce qui concerne l'ARP, en tout cas, il y aurait donc une interrogation par rapport à quelle est la signification qui a été réellement voulue et éventuellement de dire, effectivement, si vous voulez parler de quelque chose d'un produit frais, matière première fraîche, nous vous renvoyons à la définition qui est indiquée. Alors il y a tout un point dans la recommandation sur tout ce qui est les allégations relatives à la santé. Donc clairement, il est dit que les allégations qui font référence au traitement, à la guérison ou à la prévention d'une maladie sont considérées comme des allégations médicales. Donc en fait, elles n'ont pas sa place en fait pour la publicité des aliments. Ça relève donc d'une autre catégorie. Donc on peut être très vigilant par rapport à l'emploi de certains termes comme traite, soigne, soulage, guérit. Ce sont des termes qui sont excessifs, hein, qui vont au-delà des bénéfices dont on peut attendre d'un produit. Mais en revanche, on peut accepter, si bien entendu il y a des preuves, des allégations fonctionnelles. Voilà, ce sont des allégations qui vont souligner l'apport bénéfique d'un aliment, d'un nutriment, d'un composant, par exemple, dans le développement de la croissance, le maintien de fonctions normales. Donc ça, ce sont des choses qui sont possibles. Généralement, on voit des choses comme contribuer au bon fonctionnement du système urinaire ou au bon déroulement de la croissance. Ça, c'est des choses qui sont légales. Oui, tout à fait. Ça, ce sont des allégations fonctionnelles. Il va y avoir un lien entre la prise de l'aliment et un nutriment, par exemple, qui est mis en avant, et un maintien ou une amélioration d'une allégation fonctionnelle. Bien entendu, tout ceci doit reposer sur des preuves, hein, évidemment, sur des preuves, preuves scientifiques, preuves qui ont été menées en étudiant la population de chiens ou de chats qui auraient donc consommé le produit. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment derrière une étude qui permette de rendre ces allégations autorisées et objectives.
Donc voilà, après, de manière générale, tout ce qui va être autour du contexte santé doit être effectivement utilisé avec modération, de manière contextualisée et relativisée. Ensuite, nous avons une règle sur tout ce qui est référence aux professionnels. Professionnels, ça peut être des éleveurs, mais c'est aussi souvent des vétérinaires. Alors, c'est possible de les faire témoigner dans des publicités, effectivement, mais leur propos doit reposer sur des éléments vérifiables. Ça ne peut pas être la seule opinion d'un professionnel, en fait. Il faut que derrière, ces propos aient pu être vérifiés parce que c'est engageant, effectivement, de faire appel à un professionnel de santé. Par exemple, je sais qu'il y a des marques là qui utilisent le claim approuvé par les vétérinaires. Est-ce que ça peut être défendable étant donné que tous les vétérinaires ne sont jamais d'accord ? Alors, approuvé par les vétérinaires, effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose d'absolu. On peut avoir quelque chose qui a été approuvé par des vétérinaires et à ce moment-là, il faut que derrière, il y ait eu effectivement une action qui a été menée auprès des vétérinaires et qu'ils aient effectivement répondu à un certain nombre de questionnaires qui tentent à dire qu'ils approuvent. Mais à ce moment-là, et là, c'est une application d'une règle générale qui est quand on fait état de revendications, d'allégations, il faut indiquer toujours les références de l'étude, de l'enquête qui a été menée pour arriver à ce résultat. Donc si on a approuvé par des vétérinaires, il doit y avoir en fait dans la communication un renvoi qui fait référence à l'étude, au nom de l'étude, avec éventuellement le nombre de vétérinaires interrogés et l'année de réalisation de l'étude. Et ce, dans un souci de transparence à l'égard de tous et de véracité auprès des consommateurs. Donc on est d'accord que même un aliment qui prouve par exemple qu'il a un impact écologique inférieur à ceux du marché, il ne peut pas écrire « approuvé par la planète ». Alors là, surtout pas, on tombe dans un autre pan, c'est tout ce qui est autour des revendications, des allégations qui font état d'un argument écologique. Donc à l'ARP, on est très mobilisé sur cette question-là et on a une recommandation qu'on a intitulée « Développement durable » qui vient d'ailleurs d'être revue. Et effectivement, il ne peut pas y avoir un lien direct entre la composition d'un aliment et ce bénéfique-là pour la planète. Donc attention, grande vigilance à tout argument écologique qui doit être juste, qui doit être nuancé afin de ne pas constituer une allégation globalisante et notamment une allégation qui aurait une revendication absolue sur un bénéfique pour la planète. Donc vigilance sur ces questions-là, tout à fait. Sur le pet food, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit être vigilant ? Alors oui, il y a un point qui est important pour nous par rapport aux présentations de certains aliments pour les animaux et notamment sur la consommation d'aliments en croquettes. Ça doit toujours être associé à l'absorption d'eau par l'animal. Donc dans une communication, il faut toujours représenter une gamelle d'eau, un chien qui va boire de l'eau éventuellement, une mention qui précise que toujours il faut accompagner la consommation de croquettes avec de l'eau. Et donc nous sommes vigilants sur cette question-là, tout à fait. D'accord, c'est intéressant, je ne savais pas. Moi, je sais que j'ai remarqué, ben là, récemment, on m'a montré une étiquette d'aliment où c'était écrit « dinde pure » ou des choses avec écrit « pure ». Mais est-ce que ça a une définition ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça ?
Alors, le terme pur, il a effectivement une définition en droit de la consommation. Alors, je ne sais pas si ça s'extrapole au niveau de la consommation pour les aliments, pour les animaux familiers, mais en tout état, je vois pas à quoi ça renvoie. Donc, vigilance en fait sur l'utilisation du terme pur, hein, effectivement. On a l'impression que c'est un milieu qui n'est pas très régulé parce qu'on voit vraiment énormément de choses énormes. Et est-ce qu'il y a enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que les consommateurs qui peuvent être vigilants à ce sujet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui épluche systématiquement toutes les publicités du domaine ou... Alors, il n'y a pas quelqu'un qui va effectivement observer sur les publicités du domaine. Après, l'ARP est compétente en fait pour donner des conseils avant diffusion, mais uniquement à ses adhérents. Donc, D'accord. cela suppose qu'il y ait au moins quelqu'un dans la chaîne de valeur, que ce soit l'annonceur lui-même, hein, l'industriel, ou bien son agence de communication, ou bien son support de diffusion qui soit adhérent à l'ARP, et à ce moment-là, il va pouvoir donner des conseils. En revanche, en ce qui concerne la publicité télévisée et la publicité qui est diffusée sur les services de médias audiovisuels à la demande, l'ARP est compétente puisque son avis, le passage par l'ARP par un avis définitif avant diffusion est obligatoire. L'ensemble de la publicité télévisée est visionné par une équipe de juristes et bénéficie d'un avis avant diffusion. Donc, quand tout est conforme, c'est un avis favorable. Quand il y a des modifications à faire, comme son nom l'indique, c'est un avis à modifier. Donc, l'ARP a ce rôle. C'est en effet en 1992 que le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, a confié ce rôle à l'époque au BVP. Il a confié ce rôle de la validation avant diffusion de la publicité télévisée et maintenant de la publicité qui est diffusée sur les services de médias audiovisuels à la demande. Le CSA, donc l'autorité de contrôle, garde en lui la possibilité d'intervenir après diffusion. Donc éventuellement, le CSA pourrait intervenir sur une publicité pet food. À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé, effectivement, en télévision. Voilà, parce qu'il y a effectivement le filtre de l'ARP avant diffusion. Et est-ce qu'on pourrait rêver que ce filtre de l'ARP s'étende à tout type de canaux de communication et notamment Internet, où ça a l'air d'être un peu le Far West de la publicité? Alors, rêver, oui, peut-être pas rêver, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de plus en plus d'actions sur l'ensemble du monde publicitaire et notamment beaucoup de contacts avec le monde du digital qui nous interrogent de manière assez importante depuis, j'allais dire, 2 dernières années. Des nouveaux adhérents du monde du digital, Google qui a adhéré à l'ARP, des médias comme Spotify, Deezer, qui aussi, pour tout ce qui est leur communication audio-digitale, ont adhéré à l'ARP. Donc effectivement, il y a un mouvement et il y a une grande prise de conscience de tous ces acteurs, de la nécessité de s'autoréguler en fait, en matière de publicité notamment également. Et parfois, enfin, là, c'est le même aliment que celui qui utilisait le terme de dinde pure. C'était par exemple un aliment qui se revendiquait monoprotéine. Donc, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut qualifier de publicitaire. Et dedans, il y avait 3 sources au moins de protéines. Il y avait de la dinde, du bœuf. Enfin, donc, c'était juste complètement absurde. Et là, je ne sais pas si c'est au niveau de la publicité. Est-ce que, enfin, ça, c'est quand même de la tromperie client de dire aux gens, bah, c'est écrit en gros sur le paquet monoprotéines. Et quand on lit la liste des ingrédients, il y a 3 viandes. Alors,
Voilà, alors là, vous êtes a priori sur la liste des ingrédients, donc au niveau de l'étiquetage. Donc l'étiquetage, ce n'est pas la compétence de l'ARP, mais bien entendu, on pourrait avoir cette revendication monoprotéine reprise en publicité. Et à ce moment-là, si effectivement il y a trois sources de protéines, bah, c'est tout simplement une allégation mensongère. Oui. Donc vous, quand c'est la publicité, est-ce que le paquet, c'est considéré comme de la publicité ou faut vraiment, enfin, sur quel support on peut saisir l'ARP exactement ? Alors voilà, sur des publicités diffusées, tout ce qui est étiquetage, conditionnement du produit en lui-même, n'entre pas dans la compétence de l'ARP. D'accord, donc ça, ce serait quoi, la DGCCRF du coup ? Tout à fait, oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et un site internet ? Une page Alors, ça dépend. Soit c'est une page institutionnelle, soit c'est une page publicitaire. Il faut distinguer. Ça dépend du contenu. Bah, généralement, pour les croquettes, ça va être une page qui présente le produit et qui va vanter les mérites du produit en disant c'est un super aliment, monoprotéine pour protéger votre chien de ci, de ça, de machin. Ça va être considéré comme de la publicité ? Ça peut être considéré comme de la publicité. Je ne connais pas la page, mais effectivement, ça peut être considéré comme de la publicité. Bah ouais, en fait, tous les vendeurs de croquettes sur Internet vont présenter leurs aliments sur une... Enfin, oui, ils vont avoir une fiche, une page Internet pour chaque aliment sur lequel ils vont vanter les mérites. Donc, On peut effectivement qualifier ça de publicité, mais encore une fois, j'ai pas vu la page. Oui, mais oui, effectivement, oui, à partir du moment où il y a des allégations sur le produit, présentation favorable, un argumentaire et autres, et que c'est pas une page purement institutionnelle de la marque, ça peut être qualifié de publicité en fait. Ça veut dire quoi institutionnel ? Une présentation plutôt de la marque, du groupe, sans mettre en avant de produits bien spécifiques, avec des revendications publicitaires, voilà. Et donc, nous, en tant que consommateurs et consommatrices, si on voit une publicité, notamment le plus souvent sur Internet, et qu'on se dit, bah tiens, je pense que ça respecte pas les règles de la publicité, on peut... la soumettre donc au jury, il y a quoi ? Il y a une page internet, il faut qu'on tape quelque chose sur Google. Il y a... Tout à fait, il y a un site internet, le site internet du jury qui est jdp-pub.org, sur lequel il y a un formulaire à renseigner pour porter plainte. Il faut savoir que toute la plainte doit être identifiée, les plaintes anonymes ne sont pas traitées. Il faut joindre la publicité dans la mesure du possible ou un descriptif de celle-ci, notamment pour certains médias pour lesquels il est difficile de joindre une publicité, et puis développer un argumentaire qui se fonde sur une recommandation de l'ARP, une des règles du code de l'ARP. Donc par exemple, on peut dire bah, l'utilisation du terme « viande » me paraît douteuse, je pense pas que ce soit du filet vu le prix du paquet, ou on peut dire le visuel ne me semble pas conforme aux recommandations de l'ARP. Tout à fait. En développant l'argumentation, et ensuite le jury se réunira et statuera en fait. C'est une procédure, contradictoire, hein, dans laquelle. Le demandeur et le défendeur sont amenés à pouvoir échanger des arguments. Donc, il y aura effectivement production d'arguments d'une part et d'autre, et la tenue d'une séance, en fait, dans laquelle les parties seront amenées, si elles le souhaitent, à s'exprimer, à échanger leurs arguments. Donc en pratique, c'est plutôt souvent des professionnels entre eux. Ça doit être rare que vous ayez des particuliers qui s'engagent dans des procédures comme ça. Pas du tout. En fait, l'essentiel des plaintes, en fait, ce sont les particuliers suivis derrière les associations de consommateurs, associations familiales, beaucoup d'associations environnementales qui vont effectivement porter plainte. Et puis, effectivement, les plaintes entre concurrents sont peu nombreuses au jury.
Donc il faut qu'on monte une association des consommateurs et consommatrices du pet food qui soit dédiée à passer en revue toutes les pubs et porter plainte au jury de la publicité dès qu'on voit une dérive. Ah bah écoutez, si vous souhaitez, c'est une belle mission, effectivement, mais tout particulier, comme je vous disais, peut porter plainte devant le JDP. Eh ben, à la prochaine dérive, je tente ma chance. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, on a appris plein de choses et je pense que ça nous éclaire beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que le pet food est un domaine où il y a beaucoup de petits industriels, enfin petites marques qui ne connaissent pas du coup, qui ne connaissent pas ces règles, qui ne sont pas forcément adhérents à la FACO, donc pas forcément adhérents à l'ARP, et qui souvent c'est pas par souci de mal faire, hein, je pense, mais c'est par méconnaissance totale de la réglementation. Mais ça aboutit quand même à de la tromperie client parce qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies et pas loyales vis-à-vis des marques qui, elles, respectent les règles. Donc je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de travail à faire dans notre domaine. Effectivement, on peut le noter, mais c'est dans d'autres secteurs aussi. Les plus petits qui ne connaissent pas souvent les réglementations et les règles de déontologie et qui font par méconnaissance. C'est effectivement ce qu'on peut aussi constater dans d'autres secteurs. Après, il faut savoir que l'ensemble des règles de déontologie de l'ARP sont disponibles pour tous hein, sur le site internet de la RPP, arpp.org. Eh ben, j'espère que les petites marques nous écouteront ou iront sur le site et que ça contribuera à rendre le milieu un peu plus loyal en communication. Ben, vraiment, merci beaucoup, Julie, et puis au plaisir de rediscuter avec vous sur ce sujet passionnant. Merci à vous. Aujourd'hui, grâce à Julie, nous avons appris les règles de la publicité qui régissent le pet food. Ainsi, nous savons dorénavant que le terme « viande » est réservé à l'usage de muscles squelettiques uniquement, c'est-à-dire de filets, et que l'usage de viande séparée mécaniquement, ou VSM, ne permet pas l'emploi de ce terme. L'utilisation de filets pose des questions aussi bien d'ordre économique qu'écologique. Ainsi, l'emploi du terme « viande » en pet food doit toujours amener à la plus grande méfiance. De même, concernant les visuels, le produit doit être représenté tel qu'il est entré dans l'extrudeur. Il convient donc de se méfier des beaux filets de viande ou de saumon sur les paquets. Ils ne sont sûrement pas représentatifs des vrais ingrédients utilisés et donc trompeurs. Enfin, une attention toute particulière devra être portée aux petites marques qui ne connaissent souvent pas les règles de déontologie de la publicité. En cas de doute, il convient de se référer au site de l'ARP. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur la page Dr Charlotte Deveau Nutrition des Carnivores. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte Vet Charlotte Deveau ou sur Twitter sur le compte VetoNutri. C'est un sujet qui me tient à cœur et dont je parle souvent. Je serai ravie de vous y retrouver. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt !